La mort tragique de la princesse Diana a alimenté des décennies de spéculations, de théories du complot et de fascination publique. Mais aujourd'hui, le silence est brisé. Le chirurgien qui a tenté de sauver sa vie cette nuit fatidique à Paris s'est enfin exprimé, révélant des détails stupéfiants qui pourraient tout changer sur ce que nous pensions savoir. Qu'est-ce qui l'a poussé à rompre son silence après toutes ces années et qu'est-ce que cela signifie pour l'héritage de la princesse du peuple ? Préparez-vous à découvrir la vérité derrière l'une des morts les plus mystérieuses de notre époque. Whether the Princess of Wales's life would have been saved if she had reached hospital sooner. Une nuit fatidique à Paris. Le 30 août 1997, la princesse Diana et son compagnon Dodi Fayed arrivèrent à l'hôtel Ritz à Paris après une journée passée à voguer sur la Côte d'Azur. Ils avaient prévu de passer la nuit à l'hôtel, loin des paparazzi qui les suivaient sans relâche. Pour éviter l'attention, un véhicule leur fut envoyé depuis l'entrée de l'hôtel, tandis que Diana et Dodi quittèrent discrètement les lieux par une sortie à l'arrière dans une Mercedes-Benz noire. Henri Paul, le chef adjoint de la sécurité du Ritz, conduisait avec le garde du corps Trevor Rhys-Jones assis à l'avant. Alors que la voiture accélérait dans les rues de Paris, ils espéraient échapper aux photographes, mais la poursuite continua. À minuit 23, l'inévitable se produisit lorsque Henri perdit le contrôle du véhicule, provoquant une collision frontale fatale avec le 13e pilier du tunnel du pont de l'Alma à grande vitesse. L'impact fut dévastateur et Diana fut retrouvée piégée sur la banquette arrière par des passants dans un état critique. Bien qu'elle fût encore vivante, ses blessures étaient graves. Cet accident deviendra l'un des événements les plus tristement célèbres de l'histoire moderne, marquant le début du dernier voyage de la princesse la plus aimée du monde. Dans la salle d'opération, la bataille pour sauver Diana. La princesse Diana fut amenée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière aux alentours de 2h du matin où le docteur Moncef Daman et son équipe luttèrent pour sauver sa vie. Diana avait subi de graves blessures internes, notamment une déchirure de la veine pulmonaire gauche. L'équipe comprit rapidement la gravité de son état et décida de pratiquer une thoracotomie d'urgence pour réparer les dommages. Malgré leurs efforts, des complications survinrent et ils découvrirent une déchirure du péricarde, le sac entourant le cœur. Cela provoqua une inondation de sang dans la cavité thoracique, exerçant une pression énorme sur son cœur. Alors que la situation devenait de plus en plus critique, le professeur Alain Pavy, un chirurgien cardio-thoracique de renommée mondiale, fut appelé en renfort. Malgré leur expertise combinée, l'état de Diana continua de se détériorer. À 4h du matin, après près de 2h d'efforts intensifs, la princesse Diana fut déclarée morte. La bataille pour la sauver avait été perdue et le monde allait bientôt se réveiller avec cette nouvelle déchirante. Les théories du complot alimentaient le feu. La mort de la princesse Diana déclencha une véritable tempête de théories du complot. Certains croyaient que l'accident n'était pas un hasard, mais plutôt un acte délibéré. Au centre de ces théories, l'idée que la relation de Diana avec Dodi Fayed, un musulman d'origine égyptienne, représentait une menace pour l'establishment britannique. Le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed, fut l'un des partisans les plus fervents de cette théorie. Il affirma que la famille royale britannique, en collusion avec le MI6, avait orchestré l'accident pour empêcher Diana d'épouser son fils et d'avoir un enfant qui serait, selon ses termes, un héritier musulman au trône. Bien que ces allégations aient été largement rejetées par les autorités, elles trouvèrent un écho auprès d'un public déjà enclin à se méfier de l'establishment. D'autres théories se concentrèrent sur la mystérieuse Fiat Uno blanche vue près de la Seine, suggérant qu'elle avait été utilisée pour forcer la Mercedes à quitter la route. L'identité du conducteur reste inconnue, alimentant encore plus les spéculations. Même la réponse médicale fut scrutée, certains théoriciens affirmant que les médecins français avaient délibérément retardé son transfert à l'hôpital. Bien que manquant de preuves, ces théories gagnèrent du terrain parmi ceux qui refusaient d'accepter la version officielle. L'opération Paget, l'enquête qui tenta de découvrir la vérité. En 2004, sous la pression croissante, le gouvernement britannique lança l'opération Paget, une enquête officielle dirigée par Lord John Stevens, pour aborder les théories et fournir un récit définitif de ce qui s'était passé. L'enquête fut exhaustive, comprenant plus de 100 entretiens et un examen détaillé de la scène de l'accident, des soins médicaux et des actions des paparazzi. Le rapport final, publié en 2006, conclut que l'accident était un tragique hasard causé par l'ivresse d'Henri Paul, conduisant à une vitesse excessive. Il conclut également que les paparazzi, bien qu'agressifs, n'avaient pas causé directement l'accident. Le rapport démystifia les théories du complot, confirmant que les équipes d'urgence françaises avaient suivi les procédures standards.
Cependant, malgré la rigueur de l'enquête, l'opération Paget fut peu pour apaiser les théories du complot. Pour beaucoup, les conclusions étaient tout simplement trop pratiques et trop alignées avec la version officielle. L'idée que la mort de la princesse Diana, une femme qui avait captivé le monde par sa grâce, sa compassion et son humanité, puisse être le résultat de quelque chose d'aussi banal qu'un accident dû à un conducteur ivre était difficile à accepter. Et ainsi, les théories persistèrent, alimentées par une profonde méfiance envers l'autorité et un désir de trouver un sens à cette tragédie insensée. Le médecin de la princesse Diana brise enfin son silence. Après plus de 2 décennies, le docteur Moncef Daman, le chirurgien qui a tenté de sauver la princesse Diana, a brisé son silence. Dans une rare interview, le docteur Daman a raconté les détails déchirants de cette nuit fatidique. Il a décrit les blessures de Diana, notamment la déchirure de sa veine pulmonaire gauche, qui était catastrophique. Malgré tous leurs efforts, son état était trop grave et l'équipe n'a pas pu la sauver. Le docteur Daman a également abordé les théories du complot qui l'ont tourmenté, lui et son équipe, pendant des années. Bien qu'il n'ait pas directement accusé qui que ce soit, son récit bouleversant des blessures subies par Diana a alimenté les spéculations sur un possible meurtre. Ces révélations ont soulevé de nouvelles questions. Des questions sur les décisions prises cette nuit-là, le traitement qu'elle a reçu et si le gouvernement britannique aurait pu faire plus pour prévenir la tragédie. Était-ce une subtile allusion à une implication du roi Charles dans cette tragédie? Eh bien, découvrons-le. Le roi Charles serait-il en danger? Les révélations du docteur Daman ont eu des implications profondes, notamment pour le roi Charles. Pendant des années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait joué un rôle dans la mort de Diana, certains suggérant que l'establishment britannique avait orchestré la tragédie. Avec le docteur Daman remettant en cause la version officielle, ces rumeurs ont soudainement pris un nouveau souffle. À la lumière du témoignage du docteur Daman, il était évident que, sans son statut royal, Charles aurait peut-être dû faire face à des conséquences juridiques. L'idée qu'il puisse être impliqué dans un tel complot a longtemps été rejetée comme une pure fantaisie, mais maintenant, avec un nouvel examen minutieux, c'est une possibilité qui ne peut plus être ignorée. Cependant, en tant que roi, Charles bénéficie de certaines protections qui rendent une poursuite improbable. L'expression « il n'est jamais trop tard » prend ici tout son sens alors que le public réclame la vérité et des comptes, même après toutes ces années. La réaction de la famille royale. Silence ou stratégie ? Alors que le monde digérait les révélations du docteur Daman, la famille royale est restée silencieuse. Ce silence, pour certains, semblait être une stratégie pour éviter d'envenimer la situation. Depuis des années, la famille royale a été critiquée pour sa gestion de la mort de Diana, leur réponse initiale étant perçue comme froide et détachée. Aujourd'hui, avec l'émergence de nouvelles questions, leur silence pourrait être un choix calculé pour protéger la couronne. Dans les coulisses, le palais travaillait probablement à gérer les répercussions, pesant les risques de faire une déclaration par rapport à rester silencieux. La décision de rester silencieux pourrait avoir été la meilleure solution, car toute déclaration aurait pu attiser encore plus la controverse. Cependant, le silence comporte ses propres risques, car les spéculations continuent de prospérer. Conclusion : l'héritage de la mort de la princesse Diana. Alors que nous réfléchissons à la vie de la princesse Diana et à l'impact des révélations du docteur Moncef Daman, il est clair que son héritage reste aussi puissant que jamais. Ces nouveaux détails ont ravivé la quête de vérité dans une histoire qui a captivé le monde pendant plus de 2 décennies. La compassion, le courage et l'engagement de Diana pour des causes humanitaires ont laissé une marque indélébile sur le monde et sa mort continue d'inspirer à la fois la tristesse et une recherche acharnée de justice. Les révélations du docteur Daman ont ajouté une nouvelle couche de complexité à l'histoire de Diana, soulevant de nouvelles questions sur les événements de cette nuit à Paris. Bien que la version officielle reste inchangée, le témoignage du médecin a rouvert la conversation, nous rappelant que la vérité est souvent plus insaisissable qu'elle ne le paraît. L'héritage de Diana ne concerne pas seulement le passé, il s'agit de l'impact continu qu'elle a sur le présent et l'avenir.